grande édition du journal Surface Télévision. Madame, Messieurs, le plaisir est notre pour vous l'avoir présenté. Avec vous, nous allons faire la ronde de toute l'actualité de ce jour. Une fois de plus, bienvenue. Commençons ce journal par cette information en bref. 77e Assemblée générale des Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, prendra la parole du haut de la tribune à New York à 18h, heure locale, et 0h, heure de Kinshasa. Le garant de la nation congolaise sera le tout premier président africain à prendre la parole dès l'ouverture de cette session. La problématique du M23 sera au centre de son speech avec toutes les révélations attestant le soutien du Rwanda à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, surtout avec la récente sortie médiatique d'Antonio Guterres qui a vanté l'impuissance logistique de la MONUSCO à faire face au M23. Les questions de l'exploitation du pétrole congolais et des minerais stratégiques dans la fabrication des voitures électriques ne seront pas épargnées. Face Télévision vous transmettra en direct l'allocution du chef de l'État et déjà un plateau spécial sera tenu à partir de 23h ici avec Junior Dinanga. Les aveux d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, sur l'incapacité de la MONUSCO à faire face au M23 fait parler plus d'un Congolais. Les réactions fusent de partout. Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme, Azado en cycle, dit n'être pas surpris de l'hypocrisie des Nations Unies à la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Il demande au gouvernement d'accélérer le départ de la MONUSCO. Suivez. Le temps a fini par nous donner raison, nous qui disions toujours que la MONUSCO a échoué à sa mission en RDC, s'est exclamé Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme, Azado en sigle, à la dernière sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies a confirmé ce que nous avions toujours dit, que la MONUSCO était incapable de pouvoir jouer le rôle lui imparti par le Conseil de sécurité en faisant notamment taire les groupes armés. L'hypocrisie des Nations Unies, qui savait depuis longtemps que les troupes rwandaises étaient sur le sol congolais par les truchements du M23, ne l'avait jamais avoué. Aujourd'hui, en demandant à ce que la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda se mettent autour de la table pour discuter de la sécurité à l'Est, ils montrent par là que ce sont ces deux pays qui ont toujours agressé la République démocratique du Congo. Pour ce défenseur des droits de l'homme, l'État doit prendre ses responsabilités en comptant sur lui-même, car le salut ne viendra pas d'ailleurs. J'ai toujours pensé que la diplomatie ne pouvait pas résoudre la question de l'Est du Congo, d'autant plus que l'économie rwandaise est soutenue en grande partie par les minerais exploités illégalement et que le Rwanda, par la diplomatie, n'accepterait jamais de quitter. Il appelle la population de rester à l'éveil. Aux populations congolaises, c'est de rester mobilisées, de faire la pression sur les autorités congolaises pour que celles-ci puissent se départir de cette conception selon laquelle la diplomatie pourrait tout résoudre. La MONUSCO a échoué sa mission. Ça, il faut le dire, nous l'avions toujours dit. Je crois qu'il revient maintenant au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accélérer le calendrier du départ de la MONUSCO. Je pense que c'est dans ces conditions-là qu'on pourrait éventuellement comprendre que mettre l'accent sur le renforcement de capacité et l'équipement de notre armée est très important. Des fois, la présence de la MONUSCO crée une distraction dans les chefs de nos autorités de pouvoir mettre l'accent sur la réforme de notre armée.
Direction la primature, dans le cadre de renforcement de la coopération socioculturelle entre la République démocratique du Congo et la Belgique, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu ce mardi 20 septembre 2022 le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Prolet, en ce jour à Kinshasa, dans son cabinet de travail. C'est au lendemain de l'inauguration d'un tout nouveau centre Wallonie-Bruxelles dans la ville-province de Kinshasa. Commentaire Constance Chimanga. Visite de courtoisie, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet, en séjour à Kinshasa, au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans son cabinet de travail, était une occasion de passer en revue les différentes questions liées aux relations de coopération socioculturelle entre la République démocratique du Congo et la Belgique à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de promouvoir l'inclusion sociale et le développement économique. Le seul centre Wallonie-Bruxelles international culturel avec Paris en France, donc ça témoigne aussi des liens qui nous unissent et de l'importance aussi de la culture, de la création culturelle, de la création artistique, vecteur aussi d'inclusion sociale, vecteur aussi de développement économique. Dans le cadre de l'éducation, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait savoir que sa fédération a procédé lundi dernier à la signature d'une importante convention avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de prolonger la mise en œuvre de différents projets en cours d'exécution depuis 10 ans. Il s'agit notamment de la formation à distance des maîtres et des enseignants de la RDC. C'est là grâce à l'opportunité qu'offre la digitalisation. Signalons que la Fédération Wallonie-Bruxelles mène deux projets dans le secteur culturel et de l'entrepreneuriat féminin. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est réjoui de l'amplification de la coopération, notamment à travers l'inauguration de nouveaux centres Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, projet qui construit un choix politique de la Fédération dans le cadre des relations de coopération avec la RDC. On a fait le point de toute une série de projets concrets de coopération et l'objet de ma visite ces jours-ci à Kinshasa, c'était d'une part d'avoir les contacts avec les autorités, mais aussi avec les partenaires sur place avec qui nous menons, avec Wallonie-Bruxelles International, avec notre délégation, des projets de coopération, aussi bien dans le secteur culturel que dans le secteur de l'éducation, de la formation, de l'entrepreneuriat féminin. Désormais, le nouveau centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa dispose des locaux modernes, spacieux, avec des salles polyvalentes, des salles de spectacle pour animer la vie culturelle et la vie académique congolaise. D'une institution à une autre, dirigeons-nous maintenant au Parlement. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahatilou Kwebo, a représenté la République démocratique du Congo ce 20 septembre 2022 à la conférence des sénateurs arabo-africain dans le souci de trouver des solutions idoines et faire face aux effets de la guerre russo-ukrainienne ainsi qu'à la pandémie de COVID-19 dans les économies des gouvernements arabes et africains. Une fois de plus, Constance Chimanga pour le commentaire. Le gouvernement arabe et africain sont appelés à établir le système de protection sociale et limiter les importations afin de faire face aux effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la pandémie de COVID-19 sur leur économie. Telles sont les recommandations émises par le sénateur arabo-africain réuni au sein de la Ligue des Sénats, Conseil consultatif Toura et Conseil similaire d'Afrique et du monde arabe à l'issue de la 9e réunion de cette organisation tenue du lundi 19 à mardi 20 septembre 2022 à Bujumbura, capitale du Burundi. Pour Modeste Bahatilou Kwebo, président du Sénat de la République démocratique du Congo, qui est intervenu au cours de ses assises, la solution passe par le changement de mentalité pour atténuer les chocs causés par la guerre russo-ukrainienne et la COVID-19 sur les économies de l'Afrique et des pays arabes. Si on n'a pas une monnaie propre à nous, il est difficile de nous émanciper. Aujourd'hui, vous pouvez vous révolter, nous pouvons nous révolter, mais si nous voulons vendre nos matières premières, nous allons les facturer. Et si ça doit être payé en dollars, il faut que ce soit validé par
le système bancaire américain, donc on ne pourra pas recevoir le paiement, on ne peut pas effectuer un transfert. Ce que nous devons retenir, nous, peuples africains et arabes, c'est que nous devons nous sentir interpellés pour que nous puissions changer de mentalité. Il faut sortir de la domination, parce qu'en fait, nous sommes là dans une sorte de domination. Nous avons encore la peur de subir des représailles qui nous ont colonisés, à telle enseigne que parfois il est difficile de prendre des décisions courageuses. Signalons que les recommandations issues de cette rencontre seront transmises au gouvernement de pays concernés et le Parlement feront à leur tour le suivi pour s'assurer de leur application. Et à la chambre basse du Parlement, une forte délégation de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa a rencontré en audience ce mardi 20 septembre 2022 le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. La transmission d'une série de doléances sur le social des professeurs d'université était au menu de leurs échanges. Une fois de plus, Constance Chimanga. Déterminés de trouver des solutions idoines à la série des doléances sur les sociales de professeurs d'université ainsi que leur désapprobation des derniers arrêtés ministériels de professeurs d'université qualifiés de fantaisistes, une forte délégation de l'Association de professeurs de l'Université de Kinshasa à Pékin, reçue ce mardi par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. À son tour, les rapporteurs et porte-parole de l'APUKIN, le professeur Okito, a déclaré ainsi. L'accord de Bibois, vous savez qu'il a été convenu entre les professeurs et le gouvernement. D'abord, à titre de réparation pour les manques à gagner, les véhicules. À part les véhicules, il y a un nombre de professeurs qui prestent depuis plus d'une année et qui sont nommés encore comme, qui sont payés comme assistants de premier mandat ou assistants de deuxième mandat. Certains ne touchent carrément rien et alors qui sont professeurs. D'autres, c'est la mécanisation. Parmi les professeurs, il y a des professeurs qui sont PO, P, voire PA, mais qui ont encore les salaires de base comme assistants de premier ou deuxième mandat, voire comme chef de travaux. Même occasion, la question du budget du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire a été abordée. Au sorti de leur audience, le porte-parole de l'APUKIN a conclu à ces termes. Cela parce que toutes les promesses nous données par le gouvernement ne tiennent pas. C'est comme ça que nous avons estimé que l'Assemblée nationale, autorité budgétaire et autorité de contrôle, n'est-ce pas, du gouvernement, pouvait nous venir en aide de telle manière à ce que les revendications des professeurs puissent trouver des solutions. Réagissant à leurs préoccupations, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale a conclu que ses collègues se sont plutôt attachés à sa qualité de professeur mieux que toute autre qualité. S'est montré très attentif et sensible non seulement aux doléances de la corporation, mais aussi à celles de toutes les couches de la population. Retenons que le professeur André Mbata a promis de déposer à l'Assemblée nationale pour examen et adoption ses doléances. Affaire rétro-commission du désormais ancien conseiller en matière stratégique du président de la République, Vidi Echimanga. La justice entre en danse, une invitation du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient de lui être transmise 3 jours après avoir déposé sa démission auprès du chef de l'État. Vidi Echimanga doit se présenter au cabinet du procureur ce mercredi 21 septembre 2022 à 11h pour une communication lui concernant. Autre chose à présent, meeting du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste dimanche dernier au terrain municipal de Massina. Franck Djungo, président de ce parti, a qualifié la gestion de Félix Tshisekedi de chaotique et pour ce faire, il lui a administré un carton rouge aux prochaines élections. Suivez.
Du côté de la RDC, Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste, a administré un carton rouge au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour déficit de leadership politique le dimanche dernier devant la population au stade municipal de Massina. C'est pour rendre hommage aux victimes de la démocratie, nos combattants qui ont été assassinés, tués parce qu'ils réclamaient les élections. C'est le sens de continuer les combats dans la logique de Lumumba et de Tshisekedi le père, de ne jamais trahir le Congo et d'aller dans le sens de transformer le Congo en état de droit dans la vision du peuple d'abord. Parce que l'actuel régime s'est écarté de la ligne. La population, vous avez vu vous-même, j'ai posé la question à la population plusieurs fois et la population a confirmé qu'on ne peut plus donner au président Félix Tshisekedi un carton jaune, ça n'y est pas d'avertissement, c'est-à-dire qu'il a dépassé la ligne rouge, il faut seulement un nouveau président à travers les élections. Les caps, surtout les élections honnêtes, transparentes et sincères, on ne revient plus sur les méfaits du régime parce que la population a déjà tranché. C'est un vote massif, ça s'appelle le désavis massif. Donc l'essence qu'il faudra donner à ces cartons rouges, c'est l'alternance crédible qu'il faut constituer dès aujourd'hui et se préparer pour changer les choses radicalement. Sur la réclamation du changement, l'essence qu'il faut donner, les peuples voudraient que les choses changent. Un vrai changement, un changement réel. La réaction ne se fait pas attendre du côté de l'UDPS. Je vous laisse suivre Jean-Claude Punga, cadre du mouvement de solidarité allié à l'UDPS. Je serais tenté de dire comme le vieux Mbosoke, non, ce sera théâtre été. Moi, je pense que le vieux devrait se ressaisir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand il parle du changement, il parle d'un carton rouge. Je crois que c'est mal appliquer même la politique de son maître, de notre maître, qui est le sphinx de l'humanité de heureuse mémoire. C'est vraiment pour moi un non-événement. Je ne voudrais pas qu'il parle au nom du peuple, parce qu'il a dit la population. Bien que cette notion de peuple et de la population est vraiment relative, et je pense que Franck Diongo n'a pas interrogé même deux personnes qui sont derrière lui et qui peuvent l'attendre et l'accompagner dans cette voie-là. Donc le président de la République, aujourd'hui, tout le monde a vu ce que le président a apporté. Je pense, Walter, on pouvait parler même de ces budgets déposés par le premier ministre Samalou Konde, qui est de l'ordre de 14 milliards, qui envoisine déjà 15 milliards. Nous ne craignons rien, même au niveau de mon parti, avec l'autorité morale, Laurent Batoumona. Nous savons que le président de la République aura un deuxième mandat et en face de lui, il n'y a rien. Il administre le carton rouge au chef de l'État. Les sanctions lui suivent également. Désormais, Franck Diongo n'engagera plus le MLP, les cadres du mouvement lumumbiste progressiste viennent de suspendre leur président du parti et lui est reproché d'ingratitude vis-à-vis du président Félix Antoine Tshisekedi à qui il a infligé son carton rouge dans son meeting du dimanche dernier tenu au terrain municipal de Massina. La déclaration a été faite par son propre directeur de cabinet, Guylain Foundi. Ses cadres ont par ailleurs annoncé leur soutien à Félix Tshisekedi lors des prochaines élections de 2023. Jusqu'à présent, Franck Diongo n'a pas encore réagi à cette décision des cadres de son parti. Un tour en province, direction la province de l'Ituri. Il faut cultiver la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de la province de l'Ituri. L'appel est du gouverneur militaire de cette province, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama. C'était lors de sa visite des installations de la radio des forces armées de la République démocratique du Congo ce mardi 20 septembre. Suivez ce reportage de la presse militaire en Ituri. La radio et la télévision, deux instruments indispensables pour accompagner le processus de pacification de l'Ituri amorcé par l'administration militaire en cette période de l'état de siège. Conscient de ses rôles, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, apporte un appui considérable à ces deux outils pour qu'ils sensibilisent la population sur la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et la tolérance, deux vertus dont la province a besoin en vue de
retour d'une paix durable. Voilà ce qui justifie la visite ce mardi de l'autorité provinciale aux installations de la radio-télévision FRDC Ituri, RTFI en sigle. Question de se rendre compte de son fonctionnement depuis son implantation il y a quelques mois. Occasion pour les premiers citoyens de l'Ituri de lancer un message de paix et d'amour à toutes les communautés de la province. Aujourd'hui, l'autre défi qui est devant nous, ce n'est pas seulement le PDDRCS, mais l'autre défi, je crois que c'est l'éducation à la paix. Oui. De sorte qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question, comment est-ce que nous allons arriver, n'est-ce pas, à la fin de ces violences? PDDRCS, oui. C'est-à-dire que nous allons, l'État congolais, ensemble avec les partenaires, ont décidé d'accompagner tous ces combattants, tous ces groupes armés qui vont rentrer dans leur communauté. Mais ces groupes armés-là, il n'y aura plus, n'est-ce pas, des fonds qu'on va donner aux individus. Non. Non. Les fonds qu'on va donner, ce sont des fonds qui vont aller vers la communauté. Et donc, cette communauté, c'est elle qui devra encadrer chez ces jeunes gens. Mais qu'est-ce que ces jeunes gens doivent faire? Qu'est-ce qu'ils feront? Le travail. Peu après, en sa qualité de commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant général Bouyanka Chomadjoni a visité le bâtiment de l'unité médicale d'intervention rapide de forces armées en cours de réhabilitation sous le financement de l'administration militaire. Cette unité qui joue un rôle important pendant les opérations doit être caractérisée par la discipline sur terrain, a martelé le gouverneur militaire de l'Ituri au cours d'une causerie morale. Parlons sécurité. Le lieutenant général Philemon Ya va passer sa toute première nuit en prison centrale de Makala. Le commandant de la 3e zone de défense et des opérations militaires au Nord Kivu est aux arrêts depuis le lundi 19 septembre dernier dans la soirée et ipso facto, il a été acheminé à la prison centrale de Makala. Il lui est reproché de hautes trahisons et d'une tentative d'un complot de haut niveau selon des sources concordantes. Le général Philemon Yav aurait eu de nombreuses conversations avec le général Sultani Makenga du M23 pour lui expliquer pourquoi il avait commencé la bataille dans la ville de Bunagana. Parlons santé. Recrudescence des rougeoles en République démocratique du Congo. 77 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière dans le territoire des Moba, province de Tanganyika, précision du médecin chef des zones de santé, après avoir enregistré 301 cas dans le début de cette année. Commentaire, Raissa Kitambala. Le territoire des Moba, province du Tanganyika, fait face à la recrudescence de cas des rougeoles. La semaine dernière, 77 cas ont été confirmés par les médecins chefs des zones de santé de Moba à Tanganyika. Après avoir répertorié 301 cas les débuts de l'année 2022 dans ce territoire, cette situation est due au manque de campagnes de vaccination des masses contre la rougeole dans ce territoire. Signalons que le médecin chef de zone a précisé qu'une campagne de vaccination est envisagée, mais cette fois-ci, elle ne sera pas porte à porte. Par contre, elle va se dérouler dans les différents centres de santé dans ce territoire. Et en société, résurgence de Kuluna, Kinshasa, un policier vient de tirer dans la cheville d'un jeune délinquant qui l'a agressé à la machette. La scène s'est passée à Mombele, l'un des quartiers de la commune de Limete où ce mouvement est trop actif. Presque ainsi, Loulou nous fait le point sur ce fléau dans ce commentaire. Saddam! Kuluna de la ville province de Kinshasa, on ne cessera pas d'en parler tant que le phénomène persiste. Ce banditisme urbain touche presque tout le quartier populaire de la capitale congolaise. Chaque jour qui passe, des bandes de jeunes délinquants
drogués constituent des groupes d'affrontements sauvages munis d'armes blanches, majoritairement le machette, faisant le victime le paisible citoyen par des agressions et extorsions. Une situation qui exige plus de professionnalisme à l'endroit du service de sécurité. Afin de régler cette question épineuse, à l'instar de Saddam Ibanda, policier de la ville devenu viral sur les réseaux sociaux, la scène s'est déroulée dans la commune de Limité, quartier Mombélé, réputé bastion de ces délinquants. Face à l'agression de ces coulounas, Saddam Ibanda a usé de toute la procédure légale pour convaincre son agresseur à la machette. Mais il s'est retrouvé en face d'une opposition farouche. Dernière carte à jouer pour le policier, il a tiré dans la cheville de son agresseur pour le maîtriser. Comportement professionnel salué par la population congolaise qui souhaiterait que tous les policiers se comportent de même. Aux responsables de services de sécurité et aux autorités du pays de trouver des mesures fortes et des solutions pas pérennes pour en finir complètement avec ces phénomènes Kuluna. Coup de chapeau à ce policier. Parlons sport. Éliminatoire U23 Maroc 2023. Les Léopards Espoir ont dominé Saint-Luc des Kananga, un match amical des fixations le lundi 19 septembre dernier au terrain synthétique du centre technique du coureur Mpova de Ntsele par 4-0. Ce match de fixation a été le dernier pour les Espoirs de la République démocratique du Congo avant leur départ pour Addis Abeba en Éthiopie. Reportage, commentaire, Prixkan Siloulou. Ce match de fixation a été le dernier pour les Espoirs de la République démocratique du Congo avant leur départ pour Addis Abeba en Éthiopie, où ils seront reçus par leur adversaire éthiopien de la catégorie, le jeudi 22 septembre, en match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. U23, Maroc 2023. Les Léopards Espoirs de la République démocratique du Congo quittent Kinshasa ce mardi 20 septembre 2022, précédé par le secrétaire général de la FECOFA belge, Sinto Atala. Le staff technique des Espoirs congolais n'aura pas à sa disposition tous les joueurs retenus. Certains n'ont pas pu obtenir le passeport suite aux problèmes techniques qui handicapent la délivrance de ces documents. Au niveau du ministère des Affaires... Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Je vous souhaite de vivre très longtemps, vivez 200 ans. Restez branchés sur votre chaîne de confiance. Et vous allez suivre en direct de New York le speech du président de la République. Et bien avant, ça sera 0h, bien avant, il y aura plateau spécial. Dites également merci à Prisca Siloulou qui a assuré l'édition.